Ça va schtroumpfer. Mais oui, ça va schtroumpfer, puisque je vais vous parler de ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, ces images de milliers de personnes déguisées en schtroumpf. Et oui, ça se passe à Landerneau dans le Finistère en Bretagne. Et alors, ils n'étaient pas là que pour le fun, non, puisqu'il sûr, s'agissait de battre le record du monde de réunion de schtroumpf, figurez-vous, record détenu par les Allemands, avec 2762 personnes déguisées en schtroumpf. Waouh, quand vous dites déguisé, on l'a entrevu dans la vidéo sur TikTok, c'est pas juste un costume, hein, y a des règles hyper strictes pour que ce soit validé. Hyper strict. Ouais. Bah, en fait, pour entrer au Guinness Book des records, c'est très très strict, il faut donc bien sûr être déguisé, mais là aussi, attention, chaque détail compte. Schtroumpfette, par exemple, doit avoir une robe blanche, une perruque blonde et des chaussures à talons blanches, sinon c'est disqualification, et il fallait bien sûr avoir la peau peinte en bleu. Et ouais, logique. Et alors, on a battu le record des Allemands ? Non. Non ? Mais à rien, à 231 participants près. Donc, rendez-vous l'année prochaine, avec peut-être en guest Emmanuel Davidenkov. Et puisqu'on parle de schtroumpf, petite info bonus. Je vérifierai juste que dans ma peinture, il n'y a pas de plastique. Voilà, de je vous plastique. Vois bien en schtroumpf, ouais, sans plastique. Il y a peut-être du plastique, on va en parler après, ouais. Mais il y a plein des... Je voulais vous donner la petite anecdote pour ceux qui nous regardent. D'où vient le mot schtroumpf ? Est-ce que vous savez ? Je ne sais pas, c'est Peyot, je sais, qui a inventé tout les schtroumpfs. Tout à fait, en fait, c'est une anecdote. Peyot qui a créé les schtroumpfs était à table avec des amis, dont le dessinateur Franquin. Ouais. À un moment, il lui demande de lui passer le schtroumpf. Et donc, voilà le schtroumpf. Merci de l'avoir schtroumpfé. Quand j'en aurai plus besoin, je te le re-schtroumpferai. Et voilà, les schtroumpfs sont nés comme ça.